Welcome back to another French lesson with Bradley Cooper. My name is Angèle Préteau. I am a French fluency coach. All of my work is about learning French and being or becoming a citizen of the world. So if you're new here and you're serious about learning French, please click subscribe and hit the little bell icon so you're always notified whenever I upload a video or when I go live. So without further ado, let's hop right into it. This is an interview of Bradley Cooper in 2012 again. This was around the time that the movie Hangover came out and that he was chosen as the sexiest man alive. So let's see what happens with this particular interviewer. I have to tell you, it's not the most embarrassing that I have found. I have way more embarrassing coming up. Bradley Cooper, ses yeux bleus translucides et son petit accent américain, car monsieur parle français couramment, va... So she's announcing right off that he speaks French fluently, which is true, and that he has a slight American accent, which is also true. Do quand même, la bise, la française. So they start right off by doing la bise, which is how French people greet themselves, especially man and woman or two women together. Two men that don't know each other very well would not greet themselves this way. Sorry, we'll not greet each other this way. Barracuda. Merci beaucoup, Bradley, de nous accorder un peu de ton temps. Alors, en plus d'avoir été... So, one thing that I haven't commented upon yet, but all the French say Bradley, as if they can't pronounce Bradley, which is, yeah, you can laugh at it if you want. Élu l'homme le plus sexy du monde par le magazine People, tu parles français, on le sait, tu as appris dans le sud de la France, c'est ça? Oui, c'est ça, d'Aix-en-Provence, ouais. Et en Suisse un petit peu aussi, non? Oui, c'est vrai, j'ai passé 5 semaines en Suisse, ouais. J'ai vécu avec une famille, j'ai pris encore là-bas. Seulement 5 semaines et tu parles comme ça? Non, mais 5 semaines en Suisse et 6 mois Aix-en-Provence, ouais. Est-ce que tu te... So he's... explaining again that he learned French with spending 6 months in Aix-en-Provence and 6 weeks in Switzerland. If you're really, really focused and you live in France and you focus on learning French as like your main goal, this is a realistic time frame to learn French. 6 months is really realistic. Some people can do it a bit faster, some people will need a bit longer. But if that's your main focus, yes. If it's not your main focus and if you have responsibilities and a career, and you're either not living in France or in the French-speaking countries, or you're living in France, but you're not focusing and working on in English, for example, like I do. I mean, I don't live in France, but I work in English. A realistic time frame to learn French would be more like a year, you know, to become able to speak French in a similar kind of level that he has. Je sers justement de ce français pour dire des mots d'amour à tes copines. Ça t'arrive souvent, ça? C'est très romantique, ça doit faire craquer les filles. Ouais, mais j'utilise pas, mais... Interesting. So this question, he wasn't expecting, that is why he laughs. So she's asking if he uses his French skills to seduce women in the US. And he's laughing and he's saying, no, he doesn't. I don't know. I think it's the French, really, who has this idea that their language is extremely sexy and that you can speak French to someone who does not understand it and that they find it super hot. Tell me in the comment if it's something that you would find super hot if someone would be speaking French to you even though you don't really understand it. Of course, I mean, I'm assuming that you're biased because you're watching a French learning video, but yeah, I don't do that either. I don't find women who want me to speak French to them if they don't speak it. It's just, it's a myth, I think. But maybe I don't know. Tell me if you know better. Yeah, mais c'est une bonne idée. Ouais. Ah, jamais tu l'as fait. Pour des femmes? Ouais. Non. Les Américaines, jamais tu leur dis non. Des petits mots français dans l'oreille, elles te demandent... Non, they don't do that. I mean, at least in his experience. Demande pas. Qu'est-ce que tu me demandes? Alors, je peux pas. Quelques mots sur cette élection, l'homme le plus sexy du monde, ça a changé quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu te dis le matin quand tu te regardes dans le miroir? Je regarde pas dans le miroir parce que c'est pas une bonne idée. Mais c'est bien pour mes amis parce qu'il fait beaucoup de blagues maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? So the answer he gives every time that they ask him about being the sexiest man alive, he says that his friends make a lot of jokes. And interestingly, there is a mistake here that is very often made by English speakers because you're not used to conjugation. So you shouldn't say mes amis fait beaucoup de blagues. It should be mes amis font, because fait is the singular and font is the plural. And of course, it's not just one friend who's making a lot of jokes. It's all of his friends. So mes amis font beaucoup de blagues. Par exemple. Oh, je sais pas, mais partout, hein, c'était nul, hein. C'était vraiment... je peux pas, je veux pas penser de ça parce que c'était hyper... Il veut pas penser à ça. Yeah, I mean, honestly, I think it should be annoying if you're elected sexiest man alive and your friend keep joking about it
all year, basically. Méchante. Ah bon, méchant. Ouais, les amis sont toujours méchants, ouais. Allez, on... Mes amis sont toujours méchants. So same thing here, that should be the plural. So mon ami est méchant, mes amis sont méchants. Méchant means mean. On va parler de Paris. Est-ce que tu es content d'être ici? Oui, tellement content. Tu viens souvent? Oui, après j'ai fini le travail, j'essaie toujours d'être ici en fait. J'ai envie d'habiter ici. J'aimerais bien habiter. So, he says, après j'ai fini le travail, since there's only one subject, my one-on-one clients and my students will know what I'm referring to. But yes, if there's one subject, you should use the infinitive after après. So, après avoir fini le travail, j'essaie de venir à Paris. Ici. Oui, j'aime bien. Vraiment, je sens tellement confortable ici. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement ici? He means to say je me sens, and you can't really say confortable as like feeling comfortable as a human. I can say that this chair is comfortable, which it is not. But you can't say I am comfortable in French. You can say je suis confortable. You can say je me sens à l'aise or je me sens bien. Je sais pas, la langue en fait, vraiment la langue. La langue enseigne toutes les autres choses, la culture, la nourriture, les gens et tout. J'aime bien la ville aussi. Quel est le meilleur souvenir que tu as en France? Il fallait vraiment garder une image à un moment. Le bâtiment, je pense, la roue, le bâtiment. L'architecture. Ouais, c'est ça. Ça te fait rêver. Ouais. Et avant de parler de Very Bad Trip, un dernier mot sur la France et surtout sur les femmes françaises. D'après toi, qu'est-ce qu'on a de plus que les Américaines n'ont pas? Very dangerous question. So what do French women have which American women don't have? Let's see. Bradley Cooper's answer. Des femmes françaises? Oui. plein de trucs, en fait. Ah bah dis-nous, là, un peu. Plein de trucs. Combination of two kind of like slangy, street Frenchy expressions. So plein means beaucoup, and truc is a word you can use when you mean thing or stuff, or if you want to replace a word that you're not finding. On a le temps, Bradley. On a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de femmes qui vont regarder. Il y a une élégance avec la femme française. Ouais. On ne trouve pas souvent aux États-Unis, je crois. Ah, on va être contente, les Américaines. French women are more elegant than American women, according to him, to which she reacted, oh, American women are going to be glad with, of course, irony. So if you're an American woman and you're offended, well, my apologies on behalf of the French. Oh my God, these videos are going to become really weird. But yeah, apparently elegance, being elegant is a French thing. If you agree, if you disagree, the comment section is here for you. On va parler de Very Bad Trip 2. Est-ce que tu as accepté tout de suite de faire cette suite, donc après, oui, Las Vegas, Bangkok? Tu n'as pas hésité une seconde? Non, parce que si on a l'opportunité de travailler avec un réalisateur comme Todd Phillips, qui a fait la première, oui, c'est ça pourquoi je vais faire le troisième tout de suite encore. Alors c'est vraiment une question d'équipe aussi, hein, à part Todd Phillips, oui. Il y a tous les acteurs. Vous êtes vraiment devenus amis, j'ai entendu dire, dans la vie. C'est des gens que tu vois aussi en dehors. Ils restent mes amis, les très bons de mes amis. Oui, j'adore ça. C'est vraiment, c'est un miracle de trouver quelque chose comme ça, et surtout s'il est assez connu. This is a structure that you can use often if you want to emphasize on something. So it should be, c'est un miracle de trouver quelque chose comme ça. So you'll say the thing that you want to emphasize, the, and then the infinitive. So, for example, something like « c'est facile d'apprendre le français ». Dans le monde, tu sais. Ouais, ben. Ouais. Et c'était pas un travail, on peut pas vraiment dire que c'était un travail difficile, vu que vous étiez entre amis, ou est-ce que c'était quand même compliqué? On arrive à être des très bons amis. Ouais. Mais au début, je connais pas Ed, mais je connais Zach un petit peu. So, au début, je connaissais pas Ed, mais je connaissais Zach. So, ideally, you'd want to use the imperfect here. Et mais après le deuxième, oui, on reste beaucoup comme les frères, en fait. Et Bangkok, c'était la première fois que tu y allais? Oui. Alors, t'as eu un coup de foudre? Ah, mais j'adore ça. J'adore la ville. Et c'était hyper dur de passer un film là-bas. C'est ce que dit Todd Phillips, parce que c'était les conditions de tournage étaient très difficiles. Oui, les conditions, mon Dieu. Ouais, il y a plein de monde. C'est difficile de faire une comédie avec plein de monde dehors, mais... Mais la chaleur, en même l'humidité. Temps, oui, mais en même temps, ça donne une essence, une réalité qu'on ne peut pas faire si on a tourné le film à Los Angeles. Quand on vous voit transpirer un peu avec le visage. C'est réel, là. Ouais, là, c'est réel. Tu n'as pas besoin de retouches maquillage. Non. Allez, on va regarder un extrait tout de suite. Very Bad Trip, deuxième partie. Il est trop sexy, lui, quand il bouge son corps. J'ai dû lui demander de ralentir, que je ne lâche pas la sauce trop vite.
La sauce? Quelle sauce? Oh, tu sais bien, mes spermes. Vous êtes trompé de mot, vous parlez de mon sperme. D'où est-ce qu'il viendrait, votre sperme? De mes couilles. Attendez, on va reprendre. Est-ce que j'ai... Est-ce que vous... T'es à Bangkok, chérie. C'est pas un hasard si c'est pas à Bangkok Moule. Oh, oh merde. Oh, putain. Oh, oh, putain. Alors Bradley, dis-nous, dans ce film, il y a beaucoup plus d'action que dans le premier à Las Vegas. So since they chose to pick the most offensive portion of the movie that you can find, I just decided to cut it because I decided that this video was less offensive than the two upcoming ones and I want to keep it this way. So, yes, brace yourself. It's getting worse in the next two ones. Yes. Oui. C'est toi qui as fait toutes les cascades dans la voiture, c'est... Non, on a trois personnes pour chaque caractère qui fait le stunt ouais. avec nous. Et c'est comme ça, toujours, oui. Mais on fait beaucoup de choses moi-même, mais aussi il y a des autres qui font le stunt aussi. Alors combien de temps vous êtes resté en Thaïlande? On a l'impression que ce tournage a duré des mois, tellement il y a de scènes partout. Oui, oui, oui. On a tourné un mois à Los Angeles et deux mois et demi à Bangkok, à Thaïlande. À Los Angeles, c'est toute la partie où vous êtes dans l'hôtel, c'est ça, avec l'ascenseur? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Et ça, vous l'avez tourné avant? Oui, au début du film, tu parles. Ouais. Oui, oui, oui. Quand on tu te réveilles le matin, tu trouves le doigt, etc. Oui, c'est ça. Ça, c'est à Los Angeles. Oui, c'est bizarre, hein? Oui, c'est bizarre. Ouais. Parce que c'est Bangkok, mais c'est Los Angeles. Et donc, vous l'avez tourné en premier, ça? Oui. D'accord, donc ça va, c'était, ça pouvait concorder avec la suite du film. Tu parlais quelques mots de thaïlandais maintenant? So again, we can see that he was very comfortable with all of this part of the thing because she was asking about the movie and how it was made and this is something he has just been used to speaking about. Now he's asking if he can speak the Thai language now and we are again outside of the main topic. Non, t'as pas appris en quelques mots? Non, oui, j'ai appris quelque chose, je me souviens plus. Hein. Alors, oh mon Dieu, mais c'est vraiment, j'ai oublié. Hein. déjà, j'ai quelques phrases. Hein. C'est intéressant en Thaï. On peut dire une phrase, mais ça va donner cinq ou six significations. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que tu es d'origine italienne aussi? Je reviens parce que j'avais entendu dire ça. Oui, ma mère est italienne. Oh là italienne, là américaine, là. Oui, oui. Et mon père, c'était... Il parle français, d'origine italienne, américaine. Mais je ne parle pas italien. C'est dommage. C'est tellement dommage. Ah, espagnol ça, dommage. Aussi, je dois apprendre cette langue. Si tu as appris le français, c'est le plus dur. Hein. Le reste... Tu parles italien? Un peu. Parlo un peu italiano. Non ben un peu, capis. So, the conversation wasn't that challenging because it went towards the languages that he speaks and where his parents are from, and this is typically the kind of thing that you can say in French even if your level is not very high. An interesting fact is that she said that since he learned French, that's the hardest language. There seems to be a sort of a myth that everybody believes that their language is the hardest. I live in Austria and people here believe that German is the hardest language. I personally, after I learned five languages to fluency, including Spanish, that she's comparing to French, I don't think that French is harder than Spanish. You know, I keep teaching French to English speakers. It's not, I don't think it's harder. It's just some sort of a fantasy we have that our language is the hardest. But no, I'm sure there are many other languages that are way harder. Let's go. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien. Je suis italienne aussi. Ah de, oui? De mon père. Demi. De mon père. Ton père, ouais. Alors, venir au film. Quelques mots justement sur ta première cuite, toi. Est-ce que tu t'en rappelles? Interesting question. So now she's asking him about his first hangover or where he was drunk for the first time with ta première cuite. And une cuite is really, it's like being wasted, like being in a situation where you're sick because you have drunk too much. And it's really interesting that she's assuming straight on that he does have this experience. I think in France it's like sort of an initiatic like situation thing, right? Whatever. I don't know. I didn't do it, but I'm probably one of the very few people that I know, especially French people, who don't have this experience. And everybody in France assumes that yeah, it's part of human life. Dis-moi. La première cuite, the first hangover. Oui. C'était quand? T'avais quel âge? C'était quand? Je sais pas encore. Je pense que c'était il y a 4 ans, peut-être. Ah, c'est tout? Ouais. So she's asking not if he had one, but
When? And he's saying 4 years ago, and she's very surprised. What's interesting here is that she doesn't seem to be aware of the fact that American teenagers are not supposed to drink alcohol, and therefore, if you have that experience, you're supposed to have it later in life, unless you're, you know, willing to do things that are not only not good for you, but actually illegal. In France, I think it's a lot more frequent for people to be completely drunk when they are, well, much younger than that, I don't know, 16 or so. C'est pas longtemps, ouais. C'est pas quand t'étais jeune, adolescent. La première? Ouais. Like she's saying, like it wasn't when you were a teenager. No, they aren't supposed to do that in the US. Non, il y a. Mais t'es un garçon sage, Bradley. Ah oui. Bah ouais. Et alors, t'as un bon souvenir de ça? De première? Ouais. Oui, c'était incroyable. C'était change ma vie, bon, en tout cas, en fait, ouais. De quoi, la première cut, on parle bien de la même chose, hein? Ouais. La première hangover, la première fois où toi, tu t'es retrouvé dans un état un peu bizarre. So I'm not sure what has happened here. It's almost like he has caught up to the fact that for her, with her being French, getting drunk for the first time or being completely wasted for the first time is some sort of, like I was saying, initiatic rite which you have to go through. And so he's saying, oh yeah, it was amazing, it changed my life, because it seems that he's just adjusting to the cultural expectations. And now, because he's overreacting to it, like most of the time, the first, like if you're wasted, even if it's not the first time, I don't know, again, not something I'm familiar with, but I think it's not enjoyable, which is why I don't want to do it. And it sounds weird when he says it changed my life to her, and she's not actually sure anymore that he understood the question, but he did. I think he's just trying to culturally adjust to the French standards and expectations, and it's not really working very well. Et dans le film, quelle drogue vous prenez? Ça, on se pose la question. Est-ce qu'il y a un nom spécifique sur cette drogue que vous prenez? Parce que pour vous mettre dans un état pareil, on se pose la question en tant que téléspectateur. La première ou le deuxième? Non, dans le film, là, dans les deux d'ailleurs. Dans le deuxième, je crois qu'on le sait pas. Oui, dans la première, c'est la drogue différente dans les deux films, ouais. Tu sais? C'est Zach qui a mis la... Dans la deuxième, c'est un mélange de trois drogues. Dans la première, c'était la drogue, on dit la femme GHB. Au bar. Oui, c'est ça. Ouais. Et la deuxième, on ne sait pas alors. Oui, c'est un mélange. On ne sait pas encore. Tu dois regarder. Est-ce que tu as écouté le film en version française? Ta voix française? Non, je n'ai pas encore. Jamais? Non. Même dans la première version? Non, je pense que j'ai... Limitless, j'ai écouté quelques mots en français. Et alors, elle te plaît cette voix? Je me souviens un peu, mais j'en suis sûr, c'est beaucoup mieux que... Et tu te préfères dans quelle version, dans quel pays ça t'amuse de t'entendre parler? En espagnol, c'est bien. Ça te va bien l'espagnol, tu trouves? Oui, c'est marrant. Ouais. Surtout Zach. So she's asking about the different dubbed version and if he likes them, because in French we dub everything. Like American movies are all dubbed, but he doesn't know about his French voice. He hasn't listened to it. Ouais. Pour quelle raison l'homme qui a fait la voix de Zach, il était un peu plus haut que lui, et c'était vraiment amusant. La voix plus aiguë, plus féminine. Quelques mots sur une autre star dans le film, Crystal. Oui, Crystal. Crystal, c'est le petit singe. C'était pas la première fois que je travaillais avec elle, là. Ça fait 10, elle a 17 ans, hein, Crystal. C'est vrai, tu vois, elle a 14, elle a 17 ans. Ouais, moi j'ai lu 17 ans, elle a tourné dans une vingtaine de films, comme Indiana Jones, le dernier volet d'Indiana Jones. Ouais, c'était pas elle, non? Ah bah si. Oh, le dernier. Oui, le dernier. Ah bah non, sinon elle aurait 200 ans, la pauvre Crystal. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Vous l'avez ramenée des États-Unis, c'est une petite fille. Oui, c'est une petite fille, elle est bien, tout le monde tombe amoureux pour elle. Ah bah oui. Et c'était pas mon... So, about that monkey again. Tout le monde est tombé amoureux d'elle, not pour elle. So everybody falls in love with her. In English, you say with. In French, it's the. Tomber amoureux de quelqu'un. Mon première fois avec elle, j'ai tourné un film avec elle. Il y a 5 ans, 6 ans, qui s'appelle Failure to Launch. Oui. Et oui, elle est bien. Son trainer qui s'appelle Tom, il est bien. Ouais, c'était bien. Ouais. Et il passe beaucoup de choses avec elle dans le film. Hein. Bah, énormément. Elle restait toujours comme ça. Avec toi. Ouais. Et elle fume vraiment? Parce que ça nous a un petit peu choqués. Non, c'est interdit, on s'est demandé. Elle ne peut pas, oui. Ouais. Elle peut pas. Et ça a été facile de la guider alors de. Mais de elle, lui peut, demander. Elle peut mettre la cigarette dans sa bouche et tout, mais elle peut pas inhale. Tu sais. Et ça t'a pas donné envie toi d'avoir. So he didn't know the word for inhale in French. This is one of the words that clearly it looks like a Latin word and it's exactly the same as transparent. So it's inhale. Un petit singe comme ça.
Personnellement, dans ma vie personnelle, non, je pense que c'est... T'as pas d'animaux, toi? C'est un peu... Oui, j'ai la chien, ouais. Ah, t'as un chien? Oui. Il est où, ton chien? Tu l'amènes à chaque fois ou tu... Oui, elle est avec moi toujours, mais pas... Elle est à Paris, là? Non, pas à Paris, parce que je suis ici pour une semaine, là, tu sais, ça va être nul. Tu l'as laissé à Los Angeles? Oui, oui, oui. Non, à Philadelphie, en fait. À Philadelphie. Ah, tu vis à Philadelphie? Ouais. Ah ben ça non plus, on ne savait pas. Voilà une autre info qui est bonne de savoir. So this is also a topic that he is comfortable with because it's about his dog and where he lives and it's just easier to have this conversation than to answer really complex questions like what we saw in the previous video. Vous savez que pour le premier Hangover, vous aviez le droit d'improviser beaucoup. Ouais. Il y avait beaucoup de fou rire, ça a été le cas. Là aussi, vous avez pu un petit peu changer un peu le script. Oui, 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 toujours. Hein. On fait des scripts. Ça, c'est génial avec Ouais. Faire ça. Ça doit exister pour la comédie. Ça existe partout. Pas trop en France. Hein. Généralement, c'est assez... Ah oui, assez bizarre. C'est assez, assez carré. Ouais, c'est pas comme ça aux États-Unis. So they're pointing out here to apparently cultural difference in filmmaking, that in France you really have a scenario that is very set ahead of time, while according to Bradley Cooper, in the US you have more of a leeway to improvise. Par exemple, dans ce film, dans la deuxième partie, est-ce que tu as le souvenir d'une spontanéité, de quelque chose que tu as rajouté au scénario? Oui, il y a une scène dans le monastère, ouais, avec le roi du monastère. So interesting, he's saying le roi du monastère, so that would be the king of the monastery. I don't think we would say le roi du monastère in French, we might say le chef du monastère, or le moine principal, or like depending on the religion that's reflecting here, but we wouldn't say le roi. Cette scène, beaucoup de choses qui s'est passé, c'est improvisé. Beaucoup de choses qui se sont passées, because it's the plural, so again, you have this singular plural thing which is difficult for English speakers, especially with irregular verbs like être. Et je me souviens qu'on a rire beaucoup. Là, vous vous faites taper là avec le bâton? Non, mais juste après ça. Ouais. On est en train de parler avec le mec. Et là, c'était complètement improvisé. Presque, ouais. Et les fous rires, il y en a eu beaucoup, des fous rires. Ouais, ouais. Il y en a un en particulier, une scène qui a été difficile à tourner justement pour... Ça. Pour délit de fous rires. Ça, ça. Ouais. Ouais, c'est lui là, ouais. Et ça, ça apporte de l'énergie en plus en tant que comédien. Oui, exactement, ouais, ouais, ouais. L'énergie a existé quand on trouve quelque chose comme ça, ouais. Todd Phillips, le réalisateur, vous pousse à ça parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent à avoir une certaine rigueur, qui vous dit ça suffit maintenant, vous écoutez, etc. Mais il est, et d'autres qui ont une autre école justement de dire... Bah, allez-y, venez, on rigole, ça donne... Non, il est quelqu'un qui... Il voit ce qu'il voit. Hein. Mm-hmm. On a besoin de quelqu'un comme ça. Sinon, ça va être... Interesting. This is a mistake that English speakers make often. He says, on besoin quelqu'un comme ça, because we need somebody like that, so word for word. But in French, it's avoir besoin de quelqu'un. So there we don't have a verb for need. We have a need, which is un besoin, and then it's to have need. Just like maybe you know j'ai faim, which is I'm hungry. The same is... True for j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Comme on doit avoir un point de vue, tu sais. Mm-hmm. Et lui, il a un point de vue très spécifique. Et comme ça, on peut improviser dehors ça, tu sais, avec cette mentalité. Ouais, garder cette énergie. Et le pire souvenir que tu as de ce tournage, vraiment une journée où tu t'es dit là, j'en peux plus, c'est galère, je veux rentrer aux États-Unis. Ça t'est arrivé? Après chaque jour, en fait. Ah bon? Mais c'était dur. Hein. Oui, c'était dur. Ouais, ouais, ouais. Dans la nuit, ouais, ouais, c'était dur. Pourquoi? C'est quoi ce qui était le plus dur? Les conditions de tournage, la nourriture? Le conditions de tournage, ouais, c'est ça. La chaleur, c'est toutes ces choses-là? Oui, mais je sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas, mais tout le monde est d'accord avec cet sentiment. Mais c'est bizarre. Qu'à la fois, vous avez adoré, mais qu'à la fois, c'était quand même super dur. Toujours adoré, mais tu... I don't know that I would say tout le monde est d'accord avec ce sentiment. It's not grammatically incorrect, but I would rather say tout le monde partage ce sentiment, or tout le monde est d'accord avec cette idée. So that was it for the third French lesson with Bradley Cooper. I will see you on the next one, or I will see you live this Sunday.